Alors, je vais vous parler rapidement de la différence que j'ai trouvée quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la France. Le farq lilqait entre les taxis qu'on a là-bas et les taxis de France. Par exemple, chez nous au Maroc, quand tu arrêtes un taxi, c'est lui qui choisit ta destination. Marra, j'ai arrêté un taxi, je lui ai dit « Bonjour, je vais à l'aéroport, calmez-moi, je vais à la gare. » Il n'y a personne dans la voiture. « Si tu ne veux pas aller à la gare, mais je te propose, c'est incroyable. En Côte d'Ivoire, quand tu arrêtes un taxi, c'est, ça ne se passe pas du tout de la même façon qu'en France. En France, je suis monté dans le taxi, « Merci de mettre votre ceinture de sécurité. » C'est pour la sécurité. En Côte d'Ivoire, je suis monté dans le taxi, il te dit de mettre la ceinture, mais ce n'est pas pour la sécurité. Allez, mets ta ceinture, les policiers sont devant. J'ai essayé de mettre la ceinture en France, tu entends... En Côte d'Ivoire, j'ai essayé de la mettre et elle ne sortait pas. Et j'ai tout fait, et au moment où j'ai réussi à la voir, je n'arrivais pas à la rentrer. Ça se dit pas. Je lui ai dit, mais c'est pas normal, ça marche pas. Allez, oui, ça marche pas. Attrape, quand on dépasse les policiers, tu vas l'enlever. Il y a un truc qui m'a marqué en France, j'ai répondu au téléphone, j'ai dit, oui, allô, chérie, le français, il a compris que je parlais avec ma femme. Il a mis des boules quies dans ses oreilles. Il ne va pas écouter ma conversation. En Côte d'Ivoire, j'ai dit, oui, allô, chérie, il a diminué le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation mieux, il participe à ta conversation. Oui, ça va, tu ne peux pas venir tout de suite. Tu viens à quelle heure? 23 heures. Tu fais quoi? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit... Elle ment. Je lui ai dit pardon, il m'a dit elle ment. On ne classe pas de dossier jusqu'à 23 heures. C'est toi, elle a classé. Elle est avec son dossier. Merci Tunis.